interprète pendant presque 10 ans avec la compagnie Au Vertigo. Et quand j'ai fini mon parcours avec la compagnie, ça allait de soi que j'allais créer. We have to do this now. We have to. Pour créer, ben, ça prend une structure. Et puis cette structure-là, c'est Mayday, que j'ai créée en juillet 2007. Quand les bateaux coulent, quand les avions tombent, on crie Mayday. Donc ça veut dire que même dans les situations les plus délicates, on a quand même un peu l'espoir qu'on va survivre. Donc c'est pour ça que j'ai nommé ma compagnie Mayday, pour cette petite goutte d'espoir. Je commence souvent un processus en écrivant des pensées. Faire un contrepoids à quelque chose qui est plus abstrait, comme la danse. Donc les deux se tressent, tu sais, la portée des mots puis la portée des gestes. La portée des mots puis la portée des gestes. Donc, c'est toujours ça que je me pose comme question. Comment on fait pour vivre en ce monde, sachant les choses que l'on sait et voyant les choses que l'on voit? La même question que je me pose, puis que je la remets dans un contexte différent, dans une enveloppe différente, avec des collaborateurs différents. Si je pouvais, là, je ferais une pièce avec 1000 personnes. 1000 personnes.